Il s'en close room, ça. Ouais. Elle était trop pride pour que je dise non. Ah. Là, c'est l'univers qui m'a pris en tant que serviteur pour t'équilibrer. Ah, en plus, je me suis dit, le con, il y a peut-être une chance. Ah, justement, c'est allé au bluff. Non, j'ai pas trouvé. Ferris, il en parle, mais j'ai pas vu. Des exemples. Mais je trouverai. Je suis en train, du coup, de vraiment visualiser que j'allais défoncer la roche. Je me tourne. J'ai tourné la tête, je me dis, mais. Il a déjà sorti. Il y a un truc qui est vraiment embêtant, c'est qu'ils mettent pas de rideau sur les chambres des fenêtres. Donc du coup, ça va faire une semaine que j'ai du mal à dormir parce que j'ai la lumière du jour, on est en plein désert qui me bousille mon sommeil. Et là, on vient de changer de maison. Et en fait, dans le salon, il y avait un rideau. Et là, je suis en train de démonter la maison d'Airbnb. Alors c'est bien sûr, c'est à faire avec modération. Hein. Je suis pas en train de conseiller de défoncer les maisons dans lesquelles vous allez. Donc là, on vient d'enlever la tringle. Je vais, avec du gaffer, c'est le scotch des électriciens ou des gens qui font de la vidéo, je vais me gaffer la tringle pour pouvoir dormir cette nuit. Encore une fois, l'objectif étant de pouvoir dormir. Hein, et en repartant, on va remettre la tringle pour que le propriétaire voit rien et que tout soit nickel. Mais je me suis dit que c'était intéressant de te montrer que parfois, quand tu as un problème, plutôt que de râler, ben, tu peux trouver des solutions. Super scotch. Bon, c'est moche, hein, mais c'est pas censé être beau, hein, ce que je fais. Un test de résistance à la Boeing. Mais bon. Il faut la deuxième. La deuxième. Là. Dubitative. On notera. J'ai l'habitude. Effectivement, elle est dubitative parce qu'il y a des fois j'échoue, la preuve, cette puce ça n'a pas marché. Mais j'ai la nuit. Non. Dès le départ. Non, il est... Au bout de deux heures, c'était non, bon. Mais il est. Non, c'est faux. Non, il a suffisamment tenu pour que je puisse m'endormir. Oui, mais il y avait déjà la lumière qui passait. Ouais, faut pas l'écouter. J'ai souvent Timmy qui se moque de moi parce qu'il m'appelle l'ingénieur lié à mes anciennes études. J'aurais dû... Non, c'est bon. C'est qu'il a fallu le faire avant. C'est précisément ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, on l'applause, mais il faut pas mettre le rideau. Non, c'est important, on a validé. Donc ça, c'était... Ce qu'on appelle un triple rideau. Et là, parce qu'on est quand même dans une maison... Un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé le moyen d'éteindre la piscine. Donc déjà la nuit, t'as la lumière de la piscine, plus cette petite guirlande... Évidemment, on sait l'éteindre, mais... T'es sûr? Ouais. Moi, j'ai pas réussi à l'éteindre. Bon, ça sera un deuxième problème à résoudre après. Mais donc c'est mieux quand même, maintenant. On a un double rideau. On peut dormir. Oui. Voilà. On va bien dormir, là. Voilà, super. Merci beaucoup, Geoffrey. Thank you.
t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.